Emmanuelle Haïm est une artiste complète. Elle dirige sans baguette de tout son corps. Et ce style personnel est sa marque. Claveciniste et chef d'orchestre, c'est l'une des seules femmes au monde à diriger un orchestre baroque. Cette année, à l'Opéra de Lille, elle dirige sa formation, le Concert d'Astrée, dans Rodelinda de Händel. Pour cet opéra, elle rassemble autour d'elle 6 artistes parmi les plus éclatants de la jeune génération de chanteurs. La particularité d'Emmanuelle en tant que chef d'orchestre, c'est son implication incroyable pour tout ce qui se passe sur scène. Elle nous conseille tout en étant à l'écoute de nos opinions. Donc on finit par avoir l'impression d'être des partenaires. Sortie du conservatoire avec 5 premiers prix, Emmanuelle Haïm impressionne les plus grands chefs d'orchestre du monde. Grâce à de fructueuses collaborations avec William Christie ou Simon Rattle, la jeune musicienne creuse son sillon. Je me sens terriblement fier d'avoir été celui qui l'a vraiment lancé dans sa carrière de chef d'orchestre. À son tour, elle suscite des vocations. La violoniste et chef d'orchestre Stéphanie-Marie Degand et la star du lyrique Nathalie Dessay la considèrent comme leur mentor. Moi, j'estime que c'est Emmanuelle qui m'a tout appris, qui m'a fait envisager la beauté, la difficulté de cette musique-là. Aujourd'hui, sa passion de la transmission est restée intacte. Quand elle ne travaille pas pour les plus grands opéras du monde, elle emmène ses musiciens dans un collège de Lille. Là, elle initie des élèves en zone d'éducation prioritaire au secret du baroque. Sa personnalité, sa simplicité, son accessibilité, cette femme qu'elle est, la rend absolument unique. Pendant plusieurs semaines, nous l'avons suivie dans les coulisses de la création de Rodelinda de Händel. Chaque étape nous révèle l'imagination et la passion hors du commun de cette chef qui souffle depuis 20 ans un vent de modernité sur la musique baroque.